Je m'appelle Fan Zhuanchi, je suis le directeur Analytics et Data et Acquisition du groupe PVCP. Du coup, nous, on fournit les services pour Pierre Vacances Interparks et les autres marques du groupe. Aujourd'hui, on a trois enjeux importants sur la data. Le numéro un, c'est la mise en qualité des données. Il faut que les données soient fiables. Le deuxième enjeu, c'est aussi important, c'est de faire la jointure et la structuration des données pour que ça soit propre et partagé. Le troisième, c'est d'aider les métiers et de démocratiser l'utilisation des données pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces données pour faire la personnalisation et le contact client. Les objectifs du projet Data Quality avec Artefact, c'était simplement d'avoir une meilleure cohésion dans la qualité de la donnée et de mettre en place en fait des process pour nous aider à être plus efficaces dans la façon dont on traite les différents sujets. Le cœur de nos discussions avec PVCP et Google Marketing Platform a été vraiment de les aider à prioriser ces sujets de data quality, car ça a un impact direct sur l'acquisition, la rentabilité du média, leur capacité de mesure. Et nous étions convaincus qu'un partenaire comme Artefact était le bon partenaire pour les aider à résoudre ces problèmes. Un point intéressant à mettre en avant sur ce projet, c'est l'utilisation de cette période très spéciale et unique pour justement investir sur les prérequis et les fondamentaux data, que sont la data quality et la data governance, pour justement utiliser cette période de façon intelligente et anticiper le futur. Pour mener ce projet, moi j'ai été nommé Data Stewards. Ça consiste en fait à chaque semaine faire un point avec toutes les équipes sur les différents sujets en cours et la façon dont on va les aborder par la suite. Donc ça nous a permis de mettre en place plusieurs outils. Déjà un outil de ticketing pour aider à la communication dans la façon dont les problèmes sont posés. Quelque chose de très important également qui a été mis en place, c'est un dashboard de qualité de la donnée qui nous permet de suivre chaque KPI et de voir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça apparaît à J+1 dans le tableau. Suite à la définition du modèle opératoire, j'ai accompagné en fait Julien sur son nouveau rôle de Data Steward et à l'identification et à la résolution aussi des problèmes de Data Quality. Et aujourd'hui, les équipes sont 100% autonomes sur l'ensemble de leur rôle. Le rôle du point d'entrée SIA est vraiment d'être l'intermédiaire entre l'équipe SIA et l'équipe data afin de relever tous les bugs potentiels, les écarts de données qu'on peut avoir afin d'avoir la donnée la plus fiable et que nous, on puisse mettre en place nos opérations de façon qualitative. Le projet a permis d'améliorer notre qualité de données sur nos outils d'analyse et de pilotage grâce aux différents process qui ont été mis en place et également aux différents outils avec les rendez-vous hebdomadaires du lundi, avec les tickets Mantis et également le dashboard de suivi pour nos différents outils. Les objectifs qui ont été atteints, c'est simplement d'avoir une meilleure qualité de la donnée. Avant, on avait un petit peu un gruyère. Aujourd'hui, on a un ensemble bien plus cohérent qui nous permet de repartir d'une base très saine sur la façon dont on aborde les problèmes de data. Grâce à ce projet, on a bien nettoyé les données qu'on n'a pas besoin. Et finalement, on a économisé 15% sur notre consommation Google Analytics. On est capable de bien faire les facturations internes sur les marques pour leur donner le chiffre réel de leur consommation. Pour l'année à venir, c'est simple, on va continuer à travailler sur donc, les nouveaux projets, de Google Analytics 4, GTM, Server Side, ce genre de choses. On va pouvoir maintenant partir d'une base saine pour pouvoir travailler efficacement sur ces projets-là. En travailler avec Artefact, je pense que ça nous permet de continuer à garantir notre leadership et notre competitiveness sur le sujet analytics et data.